Cet archipel, ce sont les Lofoten. Il est formé de plusieurs centaines d'îles. L'été, ces hautes falaises abritent l'une des plus étranges créatures de l'Arctique. Chaque année, 160 000 macareux moines prennent leur quartier d'été dans ces îles. C'est la saison des amours. Mâles et femelles font connaissance. Ils construisent leur nid dans des crevasses ou de petites dépressions dans la roche. Et bien sûr, ils pêchent à volonté. Le vol du macareux n'est pas très impressionnant, mais c'est un excellent plongeur. C'est aussi l'un des rares oiseaux à pouvoir tenir plusieurs poissons à la fois dans son bec. Sa langue râpeuse retient les proies glissantes. Il peut ainsi les rapporter à son petit. En général, les macareux forment des couples pour la vie. Les deux parents élèvent ensemble leur progéniture. Avec leur livret noir et blanc, ils ressemblent un peu aux manchots, mais ils ne sont pas apparentés. À la saison des amours, les becs des macareux s'accordent à leur pâte orange vif. Ils perdront ces plaques de couleur ornementale avant la fin de l'été, au moment de repartir en mer.